Yo les gars, c'est Obno. Bon, on se retrouve pour le premier épisode de ma saison 2 de ma série Knife for Prestige. Voilà. Donc je suis niveau 4. Alors, je voulais commencer dès le début niveau 1 avec un nouveau soldat, comme je vous l'avais promis. Le seul truc, c'est que je suis un blaireau. J'ai fait une putain de game juste avant avec un commentary bah, plutôt cool. Je pense que je l'avais quand même plutôt réussi. Et évidemment, bah, je suis tellement fort que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record de Audacity. Donc j'ai fait le commentary dans le vent, j'ai fait la game dans le vent. J'avais fait une game mais monstrueuse, parce que j'ai passé quand même 4 niveaux, donc j'avais fait une game, genre, j'ai fait quoi, 29-11 je crois, sur Bayview en plus. Voilà, j'avais bien carré ma team, donc je suis bien dégoûté. Enfin bon, voilà quoi. Bon du coup, Knife for Prestige, j'ai pas mal d'abonnés là, sur de nouveaux abonnés sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. La série elle consiste en quoi? En gros, toutes mes classes sont au couteau, je dois passer le prestige Team au couteau, deathmatch. et seulement au couteau. Ça me prend un peu plus d'un mois, j'ai déjà fait la saison 1, vous pouvez voir sur ma chaîne, dans les anciennes vidéos, enfin je crois même que j'ai fait une section et tout, ouais, j'ai rangé ma chaîne, j'ai fait un truc de ouf. Donc vous pouvez voir en quoi ça consiste, en gros voilà, je poste toutes les semaines un épisode de Knife for Prestige, et voilà. Putain, je crois qu'il m'a vu lui. Et en gros, à chaque fois, à la fin de ma série, Oh, c'était pas mal ça. À chaque fois à la fin de ma série, je vous mets quelques clips que j'ai eu pendant le prestige. Bon, bien évidemment, pour ce premier épisode, je vais mettre des clips que j'ai eu. Des clips que j'ai eu parce que je me suis arrêté pendant un petit mois en fait de la faire parce que je sais plus exactement pour quelle raison. Ah putain, mais pourquoi j'ai arrêté de la faire? Oui, pour mettre de l'ordre sur ma chaîne, pour annoncer ce que j'allais faire, j'ai des montages qui sont sortis, enfin bon voilà quoi. Donc en gros je vous mets des clips à chaque fois à la fin. Oh punaise, j'ai pas été bon, j'aurais pu faire une quad. Je vous mets des clips à la fin à chaque fois. Putain, il est pas bon lui, hein. Oh là là, je suis tombé dans un lobby de noob, c'est cool. J'arrive pas à faire un commentaire en live. Me concentrer à vous parler et en même temps à jouer quoi. Donc j'espère que je vais réussir à dire ce que je veux. Donc voilà, donc je vais passer à 3 vidéos par semaine maintenant. Parce que justement j'ai de quoi. J'ai de quoi faire. J'ai pas mal de gameplay en stock, j'ai pas mal de live à faire. Donc je pense que ça va être fun à faire tout ça. Oh, je me suis fait voler complètement, j'ai jeté mes deux couteaux. Ouais, non, faut pas que je tire. Des fois, je tire un peu, mais non, j'essaye pour cette série justement de pas du tout tirer. Oh non! Donc voilà, j'ai passé à 3 vidéos par semaine. Donc le lundi, ce sera cette série Knife for Prestige. Le mercredi, je ne sais pas. Le mercredi, en gros, je fais des trucs, des funny and fail, des séries marrantes comme ça, ou. Enfin, plein d'autres choses d'ailleurs. Putain, y en a un juste au-dessus de moi. Ouais. Il y en a un dans le trolley maintenant. Il est mort. Le mercredi, des funny and fails et ce genre de trucs. Out of map bank shot. Enfin, vous pouvez voir sur certaines de mes dernières vidéos, j'ai commencé quelques nouvelles séries. Et le vendredi, du coup, bah, la dernière vidéo que j'ai fait avec Push, qui est le TDM Challenge, en gros en MME. En MME, partie privée, contre des potes. Le truc avec les bots. Enfin voilà, vous pouvez voir sur ma chaîne de façon en quoi ça consiste. Ah, oh, je voulais tenter un petit bank shot. Je suis un peu déçu. Putain, il va vite ce gameplay là. Je suis un peu perdu dans ce que je dis quoi. Donc voilà, j'ai quand même commencé à sortir 3 vidéos par semaine. Que du fun. Putain, allez là. Je peux enchaîner. Personne? Ouais, y'a personne. C'est ça le truc, c'est que quand je joue bien, au final, j'arrive pas du tout à me concentrer quoi. Je voulais vous dire plein de choses et je m'en souviens plus, bien évidemment. Oh putain, il y avait une quad là-bas. Je vais peut-être tenter un bank shot. Ils sont tous vers là-bas. Un peu de chance, non? Ah, j'en ai eu aucun des deux quoi. Bon ben voilà, c'est déjà
J'ai même pas réussi à vous dire ce que je voulais, les gars. Franchement, on m'en voulait pas. Donc voilà, la série, ce sera surtout de passer. Bah, je vais peut-être même faire une deuxième game. Ouais, parce que là, c'est quand même allé très très vite. Donc je vais vous faire une deuxième game. Je vais essayer de me poser là, tranquille, pour vous dire. Voilà, vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Bon, donc je vais essayer de m'appliquer. Alors, donc le lundi, je sortirai la série Knife for Prestige. Donc celle-ci. Le mercredi, je sortirai des séries un peu random quoi, c'est-à-dire je fais une série Funny and Fails, j'ai mon truc Out of Map Bankshot, vous pouvez voir sur ma chaîne en quoi ça consiste. Ouais, peut-être des séries, enfin des séries au knifing, je veux dire, pas la même chose, des enchaînements quoi. Enfin voilà, le mercredi en gros c'est un peu, je laisse libre cours à mon imagination. Et le vendredi, du coup, le vendredi, bah, je vais faire le TDM Challenge avec que j'ai sorti la semaine dernière là avec Push. La dernière vidéo que lui a fait sur sa chaîne, d'ailleurs, je vais parler de ça là, de Push qui a arrêté sa chaîne. Donc voilà, le vendredi, ce sera ça. Donc voilà, les trois vidéos de la semaine. Oh, quel enculé! Trois vidéos de la semaine, elles consisteront en ça. Je l'ai vu mourir d'une IED. Ok, d'accord. Super pourri ce que j'ai fait comme manchot là. Ouais, donc je vais aborder le capouche. Voilà, toi tu viens, tu te tais. Prends ton manchot et tu te tais. Ah, il y avait l'autre au fond, évidemment. Donc bah la décision de touche, de toute façon, je pense qu'il faut la respecter. Déjà en même un deuxième. En même temps, il n'y a pas le choix hein, de la respecter ou pas, il a fait son choix et c'est comme ça et ce sera pas autrement quoi. Donc je vais essayer de parager. Donc je pense que sa décision était bien réfléchie. Quand on y pense, bah c'était pas anodin quoi. Il voulait expliquer via Social Blades là, le truc YouTube. Je sais pas, moi j'ai jamais fait ce genre de truc, mais voilà, sa chaîne 35 000 abonnés, il faisait clairement pas ses vues, donc voilà, je peux comprendre, il a pas envie de taffer dans le vent et sa chaîne était morte, donc bah, ça servait à rien qu'il continue quoi. Putain, il l'avait tué, merde. Ça servait à rien qu'il continue, donc bah voilà, de toute façon faut respecter son choix, il fait ce qu'il veut. Je pense qu'au final c'est vrai que c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai envie de rager? Quel enculé l'autre avec son nonce patate quoi. J'en reviens pas quoi. Mais bon, après il va pas être. Il n'a pas disparu complètement. Comme il vous l'a dit. Bon, mais je fais que me faire niquer là. Comme il vous l'a dit, il va continuer à participer sur la chaîne de clan. Il y a son introducing qui doit sortir. Nous on va le prendre par la peau du cul pour qu'il vienne faire des vidéos avec nous. Et enfin voilà, il va pas disparaître complètement de toute façon, donc bon bah c'est plutôt cool. Et puis bah je le remercie pour le nombre d'abonnés qui m'a. Parce qu'il y a pas mal de nous. Vas-y, je vais tenter un petit truc à lui. Voilà. 3 bankshots en live, let's go. Il m'a ramené pas mal d'abonnés, franchement. Enfin il m'a dit que comme quoi j'étais sa relève, donc moi ça m'a fait super plaisir franchement. Donc un gros merci si tu regardes cette vidéo, mon petit enculé. Et putain, mais c'est pareil, hein, je suis en train de faire comme la première game. Hein, putain, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de live, je fais n'importe quoi. J'arrive pas à me concentrer, à dire ce que je veux et tout en jouant en fait, quoi. Putain, je suis passé sous la map. Bon, voilà, moi de toute façon, Pouche, je le respecte, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi, que ce soit pour la team, enfin pour tout le monde. Il a toujours été là pour nous. C'est vraiment un super mec et je trouve ça un peu dommage dans le fond. Je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus suivi. Parce qu'il fait des bonnes choses, il est pas comme tout le monde, il a pas sucé la bite à droite à gauche, il fait pas l'abruti dans ses vidéos pour gratter des likes, en fait, enfin ce genre de truc quoi. Donc je sais pas, je suis un peu déçu quand même. Je pense qu'il méritait que sa chaîne elle marche. Mais bon, c'est son histoire, voilà ce que j'en pense. C'est mon poteau, je continuerai à lui parler, vous le verrez, on le ramènera dans nos vidéos, sur la chaîne de clan, il commentera peut-être des top 5, des trucs comme ça. Ça peut rentrer par contre. Putain, mais il a bougé vite en étant stun, lui, je comprends pas. Putain, on est en train de se faire déchirer. Je joue avec une team de débiles. Laisse tomber, quoi. 12-15, fouf. Merci les gars pour votre aide, c'est super. Bon, je fais que spawn et me faire tirer dessus. C'est quand même
invraisemblable, quoi. Comment ça l'a pas, c'était un petit 3-6? Je me suis cogné en sautant, putain. Tous aux abris! Je sais pas d'où je me fais tirer. Bon, par contre, lui, s'il est resté... Non! Il est pas resté là-bas, putain. Oh putain, j'aurais dû regarder où il était tombé le premier. Putain, heureusement qu'il est super nul lui. Ah, c'est compliqué. Putain, Ghost, il me fait tellement rager en ce moment en plus. Ah, regarde ça. Il est stun. Il est meilleur quand il est stun que quand il l'est pas, j'ai l'impression, le mec. Putain, je suis un peu dégoûté de pas l'avoir stun là. J'ai perdu mes deux couteaux dans le vent. Oh, voilà, il y a un prédateur qui arrive. Je vais me prendre dans la gueule. J'en suis persuadé. Voilà, je le savais. Ouais, ce jeu il me saoule de plus en plus. Enfin, je l'adore hein, le jeu, hein, mais c'est la communauté. C'est la communauté, hein, c'est ça. Là, j'ai encore failli me prendre une iodée, quoi. Cette communauté elle est vraiment à chier, quoi. C'est un peu le problème. Ils sont où là? Ils sont où? Pourquoi je vois personne? Il y a vraiment personne. Il y en a un qui campe là-bas, je crois, dans le coin. Oh là là, ça a pas dû passer loin. Je vais aller voir. Ah, il était là, mon couteau. Putain, il était sorti là. Putain, c'était vraiment pas loin, quoi. Bon, voilà, je suis désolé, les gars, pour le commentaire. Là, je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de live. J'arrive pas à m'en sortir. Je fais n'importe quoi. Je joue avec des blaireaux. J'arrive pas à me concentrer. Ça m'énerve. Mais voilà, je vais continuer à sortir des vidéos, donc 3 par semaine. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre des clips. Putain, ça me fait rager. Putain, c'est horrible comment ça joue. Je vais vous mettre des clips que j'aurais eu. Bon, mais pas pendant ce. Enfin, pendant l'ancien Prestige, pendant le temps où j'ai arrêté de faire cette série. Tiens, mais get rape, mec. Je suis sûr qu'il y en a un autre qui campe là-bas. Bien sûr qu'il campe là-bas. Ah, mais il y en a un juste là? Oh putain, punaise, c'est pas possible. Bon ben voilà, c'est fini. Je suis désolé pour le commentaire, les gars, la partie a chié, mais bon voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas été aidé. Je ferai mieux pour la prochaine fois, vraiment, je ferai mieux. Là, je sais pas ce que j'ai, je fais n'importe quoi. Du coup, bah, mercredi, je vous posterai un petit funny and fetch, je pense que je vais préparer ça. Vendredi prochain, je vais faire un TDM challenge contre un pote à moi sur la One. Je crois pas de la INK, non. Quelqu'un d'autre, vous verrez bien. Et puis bon, en attendant, je vous dis portez-vous bien. Et à mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.